Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo crash test. Donc, j'ai enfin reçu la palette Brésil. Ouais! Donc merci à toi Sandrine de me l'avoir envoyée parce que franchement, dans mon action, je l'aurais pas du tout trouvée. Donc voilà, je suis super contente. Je te fais de gros bisous. Donc voilà. Merci, merci. Donc, la voici, la voilà, la bête. Donc voici les couleurs de la palette. Donc je pense qu'on va faire un maquillage dans les tons violets. Ces couleurs-là, je pense. Et peut-être un peu de rose ici. J'ai bien envie de tester le rose paillette là. Donc voilà. Donc vous avez du neutre. Hein, pas mal de fards marronnés. Vous avez un bleu, un jaune, un violet plus foncé, un genre de violet clair. Ouais, un peu un noir, ça c'est pas mal aussi. Vous avez des tons un peu irisés, couleur or un peu. Bon, franchement, cette palette elle est pas mal. Donc voilà, je suis contente de l'avoir quand même depuis le temps que je la voulais. Donc voilà, j'ai même pas mis de boucle d'oreille aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Écoutez, hein, on est là pour crash tester cette palette. Donc j'ai déjà fait mon teint. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai utilisé. Souvent comme ça, la vidéo elle dure pas dix plombes. Donc en fond de teint, j'ai utilisé celui-ci de chez Kiko que j'avais eu à Nose. Donc c'est le Ultimate Foundation. Longue tenue, bon, il n'y a pas plus de renseignements. Par contre, il est un peu foncé pour moi, il me fait un peu orange, mais bon. Avec le concealer ici, ça se voit pas trop à la vidéo. Ouais, en vidéo, mais il est un peu orange, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est la couleur Warm Rose. Avec, avec le concealer, ça va, ça s'éclaircit un peu. Donc voilà, j'ai mis celui-là. Ensuite, en concealer, j'ai mis le L'Oréal, l'infaillible. Franchement, celui-là, moi je l'adore. Il est vraiment bien couvrant. Franchement, c'est le meilleur pour moi sur le marché en couvrance de concealer. Voilà. Donc c'est la teinte. Avoine 324. Voilà. Il a un gros pinceau. Regardez, il est énorme. Franchement, moi, j'utilise tout le temps celui-là. Celui-là ou alors souvent le Essence, mais franchement, celui-là, il est top. Je vous le conseille si vous avez des gros cernes foncés comme les miens. Ensuite, j'ai mis un peu de blush. J'ai mis celui-ci de chez Yves Rocher en teinte capucine. Franchement, j'aime bien, il fait bonne mine celui-là. C'est un peu dans les tons orangés. Voilà, franchement, je l'aime bien. Et puis, bah, c'est tout. J'ai pas mis de poudre. Au pire, je la mettrai après, en fin de vidéo ou hors caméra. Parce que bah, des fois, j'en mets pas forcément de poudre en fait. Bon. Après. On va dire que si vous voulez que le teint tienne longtemps, ouais, il faut en mettre. Mais moi, des fois, j'en mets pas. Donc, j'ai mis aussi un peu d'highlight, bien sûr, sur le nez, un peu ici. Une dab, quoi. Donc, j'ai utilisé deux couleurs. J'ai pris celle-ci et celle-ci. Je mélange des fois. Donc, voilà. Ça, c'est une petite palette que j'avais eue à Nose aussi. Je crois que je l'avais eue à Belouchette, il me semble, dans un de ses concours. Franchement, elle est top. Je l'utilise souvent. J'aime bien. Donc c'est la marque Georges, ouais c'est ça. Voilà, pour ce que j'ai mis sur le teint. Bon écoutez, on va commencer. Je me suis muni de mes pinceaux. Donc j'ai pris. On va tester les petits pinceaux de chez Shein. Les bisounours. Parce que je ne les avais pas encore testés. Je les ai juste lavés et j'espère que ça va aller parce qu'ils sont encore un peu humides. Voilà, on avait un pinceau plat, un pinceau plus petit pour faire en dessous de l'œil. Et un pinceau estompe, quoi. Franchement, ils sont bien, ils sont assez doux. Donc, bah écoutez, voilà. On y va. Bon, bah écoutez, moi je pense faire ces couleurs-là que j'aime bien et un peu de rose sur le dessus. Voilà, on va. Donc, j'ai pas mis de base, mais j'ai mis un peu de concealer. Quand j'ai fait, j'ai juste mis du concealer. Donc, voilà. Je me suis munie de mon petit miroir. Donc c'est parti.
Bon, je vais mettre la couleur la plus foncée en... Pardon. Je vais savoir parler aujourd'hui. En creux de paupière, voilà. Donc, c'est la couleur chacha. Ouais, ça marque, ça va. Ouais, mais le problème, c'est que mes trucs, ils sont un petit peu mouillés. Donc, voilà ce que ça va donner. J'aurais dû bien les sécher. Je les ai séchés un petit peu au... Comment? Ça va, franchement, la couleur, elle se voit très bien. C'est pigmenté, hein, il n'y a pas de souci. J'ai séché au sèche-cheveux un peu, mais c'est encore un peu humide. Très pigmenté. On dit action, mais franchement, leur palette Max & More, là, elles sont super. Si vous pouvez les choper, prenez-les, hein, franchement. Faire le deuxième œil. Bon, les pinceaux, ça va, ils sont bien. Donc je fais des allers-retours comme ça, en faisant des petits ronds, pour que la couleur, elle soit bien répartie. On a bien estompé la couleur du tissu. Voilà ce que ça donne pour le moment. Très joli violet. Alors, ensuite, bah, je vais mettre le plus clair là. Bah, je pense que je vais faire un halo high, comme on a dit. En fait, vous mettez la couleur là ici, et puis au milieu, je mettrai le rose. Ouais, on va faire ça. Donc je vais prendre un pinceau plat, celui-là, et je prends la couleur Feather, ici, que je vais mettre au coin interne et externe. Ça va, ça va. Mes pinceaux sont encore humides, c'est chiant. Un petit peu gros le pinceau pour faire sur la paupière, je trouve. Ça va être violet aujourd'hui, hein. Je vais essayer de le mettre au doigt un peu. Donc j'ai laissé un petit espace au milieu pour mettre le rose. Voilà ce que ça donne pour l'instant. J'espère que le rose sera assez pigmenté quand même. Donc on va faire pareil de l'autre côté. C'est rare que je fais cette technique, mais bon. Ah, je fous du pinceau sur l'eau, ça va. Bon, les chutes, ça va. Franchement, il n'y a pas trop de chutes, je trouve. J'espère que vous verrez bien parce que j'ai pas allumé la lampe, en fait. C'est la lumière naturelle, on va dire. Et ben voilà, on va en remettre un petit peu au doigt. Pareil que de l'autre côté. Bon, c'est bien pigmenté, hein, il n'y a pas de souci. On va essayer le bleu, je sais pas. Mais bon, j'avais dit que je ferais rose. Le bleu, je vais peut-être en mettre un peu en dessous. Ouais, je mettrai en dessous le bleu. Donc voilà, on va prendre la couleur maintenant. Salsa, ici, le rose paillette. Ouais, je pense qu'il va être pigmenté. Ouais, bah, bof.
je le pensais plus. Plus pétant, en fait. Parce que là, c'est pas terrible, terrible. Je pense que je vais remettre peut-être au-dessus du doré pour dire de ressortir un peu, parce que là, ça se voit pas tellement. Voilà. Ce que ça donne, mais je suis pas trop convaincue du rose. Je vais remettre un doré pour voir si ça peut enfin, péter. Si ça peut un peu. J'ai les pinceaux qui se cassent la gueule. Si ça peut un petit peu ressortir, parce que là, je trouve que c'est un peu fade. Bon, de toute façon, les couleurs comme ça, vaut mieux les prendre au doigt. Bon, on va tester celui-là pour voir. Donc, j'ai pris le glitter ici. Je vais le tester sur la main. Ouais. On a le Binotti. Ou celui-là. Bah, je pense qu'on va mettre le glitter. Donc là, j'ai un peu testé les couleurs comme ça, un peu irisées. On va prendre celui-là. Je m'en fous partout comme d'hab. Voilà. Donc, je vais prendre celui-là, le glitter, pour mettre ici, au milieu de la paupière, pour faire un petit point de lumière, quoi. Ouais, c'est pas mal. Je suis pas. Je suis pas transcendée par les. Est-ce que c'est parce que j'ai mis des couleurs avant dessus, mais. Je suis pas trop transcendée sur les pailletés là. Je trouve que sont pas. Faut remettre, pour dire de. Ah si, on les voit, hein, mais. Voilà ce que ça donne, quoi. Je sais pas si vous les avez bien voir parce que j'ai oublié d'ouvrir la lampe. Voilà ce que ça donne. Bon, je vais pas mettre de liner parce que j'ai pas envie d'en mettre. On va mettre un peu de bleu en dessous avec un petit pinceau comme ça tout petit. Je suis pas transcendée, je sais pas. Je sais pas, vous me direz si ça se. Bon, ça se voit, hein, mais. Après, bon, j'ai pas mis de base, hein, j'ai mis juste le concealer. Donc, elle est bien, hein, elle est pigmentée, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que les glitters, ils sont pas peps peps, quoi. Donc, on va mettre du bleu en dessous. Puis après, je mettrai un peu de. Ou alors, ouais. Non, je vais mettre le bleu, puis après, je mettrai un peu de crayon rose. Par contre, je crois qu'il y a un peu de chute quand même. J'ai pas pris de pinceau pour retirer les chutes. Un petit peu de chute des paillettes. Je pense que je vais aller allumer la lumière parce que vous verrez pas grand-chose si je mets pas de lumière. Vous m'excuserez. Hein, je finis de. Oui, j'ai foutu du rose partout en dessous, tant pis.
franchement, ça marque pas des masses. Enfin, ça marque un peu, mais. La caméra, on voit quasi rien en fait du bleu là. Pourtant, là, j'en ai mis. Voilà ce que ça donne. Je vais allumer la lampe. Peut-être que vous verrez mieux. J'arrive. Voilà. Me revoilà, me revoilà. Donc avec la lampe, ouais, on voit un peu mieux quand même. Ce que ça donne. Avec le irisé par-dessus. Le bleu, il est pas pétant pétant, je trouve. Je sais pas. Enfin, la caméra, on le voit pas des masses. Bah écoutez, pour cette palette, je suis un peu mitigée. À voir, je ferai peut-être un autre maquillage avec les autres tons taupe ou le jaune. J'ai pas mis de jaune. On va mettre un petit peu de crayon rose en muqueuse. Donc ça, c'est pareil, il vient de chez Max & More aussi. Je les utilise souvent, ceux-là, les rétractables. Donc je le mets et puis voilà, parce qu'après vous n'avez pas. Ben, si vous ne me voyez pas sur la caméra, c'est que je mets le crayon. Excusez-moi si vous ne voyez pas. Je vois pas des masses non plus. Ça, je sais pas, hein. Aujourd'hui mon maquillage, je trouve qu'il ne se voit pas. Ah si, il voit, mais. Pardon si vous ne me voyez pas. Donc voilà, en muqueuse j'ai mis le rose. Je sais pas si vous allez voir. Un peu, mais. Pas flagrant. C'est pas flagrant, mais bon. Avec le bleu, ça se voit moins. Je vais faire une petite ligne noire quand même, juste là, pour délimiter un peu. Moi je prends le Yves Rocher, stylo regard waterproof. Je trouve qu'il va bien. Pareil, c'est un rétractable. Donc je vais faire juste un petit trait comme ça. J'aime bien faire ça, moi, l'illusion qu'on a fait un liner, mais qu'on n'en a pas fait, oui. Voilà. Alors, j'ai un peu celui-ci. Bah écoutez, voilà. Hein. Un peu de mascara. Et puis. Puis c'est tout, hein. Puis on mettra un peu de rouge à lèvres et puis voilà. Ouais, je suis pas. Je sais pas. Ça pète pas comme j'ai l'habitude que ça pète, on va dire, pour les irisés. Ça se voit, mais à la caméra, j'ai l'impression que même le bleu, il est pas pétant pétant, quoi, sûrement. Alors, je vais utiliser le Maybelline. Je l'avais trouvé à Action aussi, celui-là. C'est la première fois que je l'utilise. Donc c'est les Over the Top Volume Express. Voilà, on va tester. La brosse, elle est comme ça. Brosse en poils. Souvent, les Maybelline sont bien. En vrai, ils se voient quand même, hein, mais en vidéo, j'ai l'impression que la couleur iridée, elle se voit pas bien, quoi. On se concentre pour mettre le mascara parce que. Volume, bof bof, hein. Enfin, si, on voit quand même, mais. Je crois qu'il faut mettre deux couches pour que. Moi, j'ai pas beaucoup de cils donc. Ça fait tout avec le mascara quand même, hein. Donc on est déjà à 20 minutes quand même. Prenez des petits biscuits et des petits gâteaux.
Moi, je pense que je vais mettre une couche parce que. Bon, elle est pas mal, mais. Je pense pour qu'il y ait du volume, il faut mettre au moins deux couches. Et moi. Avec les cils que j'ai. Pas fourni, bah c'est pas terrible. Franchement, moi mes cils et mes sourcils, inexistants. Bah c'est la, ça les, on va dire, ça les allonge, c'est sûr. Là, on voit quand même. Mais volume, j'ai vu mieux. J'ai vu mieux en volume. Bon, ça va, il est bien quand même. Donc ça, c'était celui-là. Donc voilà, on va mettre le rouge à lèvres et puis le maquillage, il sera fini. Donc, j'ai pris deux rouges à lèvres. J'ai pris le Kiko que j'ai commandé sur Amazon, le numéro 5. C'est le... Je ne sais plus le nom. Le nom n'est pas marqué dessus, en fait. Enfin, c'est le 5. C'est un rose pailleté. Très joli. Et un Kiko violet. Je sais pas si on va matcher violet avec violet. Et ça va peut-être faire trop violet. Donc, c'est celui-ci. C'est le numéro. Pas le numéro celui-là non plus. Si, c'est le 12. Le Rosetto. Voilà. Franchement, celui-là, il est vraiment beau. Donc, je sais pas. Je pense que je vais pas mettre tout violet, sinon ça va faire bizarre, non? Ouais, on va mettre le. D'ailleurs, j'ai pas mis de. Je vais mettre un petit peu de. Un fard. Avant le rouge à lèvres, j'ai oublié de mettre un fard ici en creux. Par contre, il y a du bleu. Je vais mettre un petit fard clair. Ici en coin interne, je vais prendre le beach là, ici. Saupoudreux en fait, mais j'aurais peut-être dû mettre le jaune. C'est un genre de rose. Il y a des tons roses dedans. Ouais, il y a du rose dedans, c'est marrant. On verra pas trop à la caméra, mais. Bon, écoutez, le maquillage des yeux est fini. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je suis pas trop convaincue. En fait, même le bleu, il se voit pas des masses. Ouais. Elle est pas mal, mais les irisés, je crois que j'ai vu mieux, en fait. Après, à faire un autre... Peut-être un autre... Comment? Maquillage pour voir les irisés avec une bonne base. À voir. Donc, je mets le gloss de chez Kiko. Oh là là, je m'en suis foutue sur moi. J'ai vu, c'est. Des paillettes partout, moi. Donc. Pas faire de bêtises, je vais prendre ça. Hop. Ils sont super durs à trouver, ces glosses-là, en ce moment. J'ai les lèvres très sèches. Donc c'est un rose très clair. Voilà, le maquillage est terminé. Bah écoutez, je vais vous swatcher un petit peu les couleurs que j'ai pas utilisées. Le jaune, le bleu, je l'ai utilisé, mais
Bah, vous sachiez tout. L'aubergine, là. Voilà quelques couleurs de la palette. Pourtant, sur la main, il se voit super bien le bleu, mais je trouve que là, sur moi, on voit ça en caméra, quoi. Mais... Donc ici, il y avait le hot... Il est pas mal, le hot, hot night, là. Donc, il y a quelques irisés. Un marron. Donc voilà, bon, elle est quand même bien pigmentée, hein, mais pour moi, les irisés, à voir à la lumière peut-être. Donc voilà, quelques... je vous souhaite pas toute la palette, de toute façon, vous allez la voir partout, hein, cette palette-là, sur les réseaux. Donc voilà ce que ça donne un peu les couleurs. Bon, ben voilà, on a terminé avec ce crash test de la palette Brasil de chez Action. Vous me direz ce que vous pensez de mon make-up. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo crash test de la nouvelle palette Brasil vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben faites-le, ça me ferait plaisir, ça ferait un petit peu augmenter les vues de ma chaîne et puis ben, les abonnés bien sûr. Et puis ben, je vous dis à bientôt et passez un bon week-end, un bon dimanche et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Allez, salut!